Bonjour, nouveau vlog, mardi 19 décembre, ça va être un vlog qui va se dérouler sur 4 jours, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. J'aime bien quand c'est sur plusieurs jours. J'ai un petit programme quand même. Celui du matin, c'est bon, c'est fait, c'était finaliser les cadeaux de Noël. On est bon, juste un petit doute sur un article. J'ai peur que ça n'arrive pas avant le 24. Au cas où, j'ai découpé une petite photo, machin, qui représente le cadeau. Mais bon, j'aimerais autant que ça arrive à temps. Donc cet après-midi, je vais aller en extérieur faire un petit réel, une petite vidéo, pour mettre en avant le sac de la box Gold. J'ai rendez-vous avec une abonnée de la box qui habite dans mon secteur, qui m'a contactée me disant que... elle partait en fait demain, donc fallait pas que je l'expédie par la poste, c'était un petit peu risqué, donc je vais lui donner en main propre et puis en même temps je vais la rencontrer, je trouve que c'est sympa. Là on va commencer parce qu'il est déjà midi, il va pas tarder, ouverture du calendrier, donc ça veut dire également qu'il y aura 4 ouvertures dans ce vlog. Alors j'ai ressorti cette blouse, ne me demandez pas là tout de suite d'où elle vient, ça écrit dessus. Ah peut-être Bershka, je dirais Bershka. Je l'ai mise dans une petite jupe. Enfin, j'aime bien mon look. Il faudra falloir que je me trouve quand même une veste qui doit faire assez frais. Ouais. 5 degrés, je vais pas sortir comme ça. Je prends pas suffisamment le temps de m'habiller. Alors que j'ai des pièces sympas. Hop, le 19. Je fais un rapide coup d'œil. Ah, ici. Une miniature de parfum allongée, je dirais, peut-être. Pas du tout. Attends, Généfique Yeux. Mais celui-là, c'est le Light Pearl concentré. Yeux et cils. Ça, tu le mets au frigo et c'est une petite boule, en fait, ça va venir décongestionner. Ah, je suis contente. Très bien. Quant à celui que j'ai fait à maman... Ah bah oui, de désinfusion. Valeur sûre, comme elle me dit. Nuit calme et puis miel pomme, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, deux petites boîtes d'infusion. Je suis un peu embêtée. Une fois encore, j'ai voulu mettre du kohl. Pas le kohl du calendrier, je ne l'ai pas encore testé. Un kohl marron, parce que le marron, moi j'ai les yeux bleu foncé, bleu marine. Enfin, des fois c'est bleu clair, bon ça dépend. Et le kohl marron, forcément l'association, c'est magnifique, ça fait ressortir l'iris. Mais le problème, quand je mets dans la muqueuse, en général, très rapidement, et là c'est le cas, ça y est, ça pleure, ça picote. Il est 14h30, 14h30. Vas-y, je prends ça. Je suis allée en extérieur faire la petite vidéo. J'aime pas du tout en fait l'association des vêtements, c'est pas ouf. Donc là, je vais aller voir l'abonné pour lui donner sa box. Il faut que j'aille à la pharmacie, j'ai plus les oméprazoles. Je vais y aller, bébé. C'est bien. Bah là, elle m'a envoyé un petit message, c'est bon. Tu viens avec toi ? Bah, je vais partir là. C'est comme tu veux, bébé. Ouais, dis-moi ce que tu veux. Bah, faut aller faire les courses, quoi. Ah, je suis énervée. Mais vous verriez mon entrée, le placard. C'est un placard que je dois ranger depuis très longtemps. Il y a des sacs, genre les sacs Leclerc, les machins, les trucs. Des pompes que je ne mets plus et tout est tombé. C'est-à-dire que c'est une montagne, tu ne peux même pas sortir. Ce qui veut dire que là, bon, je vais aller voir l'abonné, je vais lui donner la box. Après, on va faire les courses. Et après, en rentrant, il va falloir que je range. Et ça me met en bad. Regarde ça. Ça me met dans un... C'est qui est par terre. Bah, tout est tombé, tout. Regarde, ça, tout. Mais non, mais pourquoi tu mets mes affaires par terre? Tout est tombé. Ah oui, ce que je te dis. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, de ramasser. Ouais, bah là, j'ai pas le temps. Ah bon. Oh là 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 là. Voilà, j'ai retrouvé la bonne. Je lui ai demandé avant si elle voulait être dans le vlog. Pas de soucis. Donc, Sonia. Sonia. Moi, j'ai vu Soso. Oui, c'est possible, parce que je ne mets pas forcément mon nom et mon prénom. Mais ça fait plaisir quand même de rencontrer des abonnés. Non, c'est vrai. J'étais encore plus jolie, en fait. Ma première fois, bah oui. Parce que voilà. Je me suis laissée tenter. Je suis en train de me liquéfier sur place, bébé. Liquéfier. Mes yeux. Pleure. Je fais une réaction allergique. Cette sensation quand tu fais les courses, qu'au final, tu as l'impression d'avoir oublié plein de trucs. Mais que tu en as quand même pour 169 euros. De retour. Eh bien, écoutez, ça m'a fait très très plaisir de discuter avec Sonia. Ouais, c'est toujours agréable de vous rencontrer. De plus en plus d'ailleurs, je rencontre un petit peu partout, en plus de toute la France, c'est drôle. Oui, je suis passée à la pharmacie pour mon renouvellement, rien de fou, mais il y avait ça, des infusions. Ça avait l'air pas mal, il y a 25 sachets, rooibos, cannelle, orange, mélisse, clou de girofle, cardamone, notes de citron et de vanille. C'est les petites infusions de l'hiver.
Voilà, elles vont être bues. Ça coûtait 6,90€. Alors, j'ai pris ça parce que, bah déjà, les écraser en règle générale, c'est très très bon. Il y a de la truffe d'été 1% aromatisée. Pareil, ce que je prends très souvent le midi, carotte. Je vais poser, puis après, je mets tout sur la table et puis je fais une vue d'ensemble. Et après, je m'attaque à l'entrée. Il est 16h14. J'aimerais quand même savoir ce qui s'est passé. Parce que là, j'ai pas 169€. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Elle est où ta BD? Ta BD coûte 7€. C'est pas ça. Ça. 3. Explique-moi ce que tu... C'est pourquoi ça, ton projet? Pour que tes élèves... Marquer les tables au sol. Pour plus qu'ils bougent. Pour qu'ils arrêtent de déplacer. Ok. Ça. 3€. Voilà. Mais enfin bon, au niveau de la viande, j'ai juste de la dinde. J'ai ça. La BD, ça coûte 3,43€. Il y a plein de petites tranches. Par contre, ça... Ouais, tu vois, ça déjà 14. 80 dosettes. Et ça, Starbucks, ça coûte cher, hein. Ouais. Il y en a 36 quand même, hein, 8 et 8, 16, ouais, ça. 36, ça coûte peut-être même plus cher que ça. T'as vu qu'elles sont def en plus? Non. Elles ont été cassées. Bon, ce soir, je pense que je vais me faire ça. Lentilles saucisses, avec des croûtons, du gruyère, et ça sera très bien. J'avoue que je vérifie jamais, moi, les tickets de caisse. Et là, je me dis, je ferais peut-être bien de le faire. 169. Non, non, mais je vais le faire, bébé, moi. Ouais. Donc ici, nous avons tous les sacs. Je pense que je suis pas la seule, hein, à cumuler les sacs Leclerc et compagnie. Et donc là, ça commence. Il est en train de faire le tri des choses. Oh, t'en peux plus? Bah oui. Et ça, c'est tous les confettis, là. Je sais pas ce qui s'est passé, hein. Ils étaient planqués dans le sac. Et voilà. Mais attends, t'as pas le coiffeur à 18h, toi? Si, bah justement, là, je suis en plein dedans. Là. Mais je vais le faire. Non, allez, on jette, là. Mets tes trucs dans le sac. Bah attends, faut que je réfléchisse, quand même. Tu sais, quand tu te rappelles plus que ça existait, tu peux le jeter. Ça, ils étaient troués. Mes babies, elles sont neuves. Oui, mais non, tu veux les mettre sur l'escalier? Parce qu'elles sont sur l'escalier. Elles me font mal aux pieds, mais... Où elles sont? Elles sont là, les babies. Ah, ça va. Bien sûr, ça va. Oh, c'est joli, ça. Qui m'appelle? Il est dans le sac poubelle, ça se trouve. Arrête. Oui. Oui. Et ben voilà, c'est quand même autre chose, hein. On a formé une bonne équipe. C'était mal, ça commençait assez mal, mais c'est bon. Maintenant, il me reste à faire le tri sur le porte-manteau. Nous sommes jeudi. J'ai pas tourné hier, mercredi. Je crois que d'avoir rangé mardi soir, ça m'a motivée pour faire du tri partout. Notamment, mais ça, je pouvais pas vous le montrer, je l'appelle mon placard où je stocke, en fait, toutes les futures parutions, toutes les anciennes créations, des box, donc il y a des choses aussi, des spoilers, je voulais pas. Donc ça, j'ai super bien avancé. Quelque part, je me suis un peu octroyée un jour off, sans tourner, sans monter. Et quand ça fait très très longtemps que tu l'as pas fait, je peux vous dire que tu ressens les bienfaits. Voilà, donc aujourd'hui c'est pas ouf, mais pareil, c'est les conséquences du rangement. Déchetterie à 14h avant qu'Eric reprenne les cours à 15h. Demain, je sais pas si je vous l'ai dit, mais enfin, mes cheveux. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils sont dans cet état, je les ai pas lavés, donc là ça va être les racines, on doit être sur du 3-4 cm. Je pense pas les couper, même si ça nécessiterait. Je suis passée la voir, c'était il y a quelques jours, et... elle m'a dit qu'il existait un nouveau protocole, je crois que c'est L'Oréal qui fait ça, pour réparer, qu'est-ce qu'elle m'a dit, 2 ans? 2 ans de cheveux cassés? Si vraiment ça fonctionne. Je vois pas comment ça peut fonctionner, parce que quand tes cheveux sont pétés, ils sont pétés. Mais bon, je vais faire le soin en même temps, en plus je vous montrerai. Si ça fait des miracles, ça peut être cool, hein. De toute façon, voilà l'état, ils sont tout filasse. Au pire, je les recouperai d'ici 2 mois. Mais déjà, on va voir comment ça évolue. Calendrier? Ah bah oui, du coup, il y a 2 jours. J'ai pas ouvert hier, je vous attendais, donc ça c'est bien. Maman m'a pas envoyé aujourd'hui. Hier, c'était ça, un coussin. Enfin, je sais même plus, c'était que la housse, hein, il me semble. Une housse de coussin velours. Elle est entre le rosé et le parme. Elle est très très belle, très douce. Attends, je prends mon téléphone, je vous assure, je ne sais plus. Nous sommes le 21, donc il va me falloir le 20 et le 21. Là, est-ce que ça serait pas un crayon sourcil peut-être? Ah, pas du tout. Un petit vapeau, sac à main, et c'est... La vie est belle. Ah, il y a un bouchon. Alors, attention, 1, 2, 3. Super avant de manger. Les veuches. L'état des cheveux. Ah, fort.
Ah non. En tout cas, les premières notes sont intenses, hein. Moi, j'aime pas les parfums forts, capiteux. Faut voir comment ça évolue, mais là, tout de suite, waouh, il est chargé, hein. Oh, je vous montre. La biloute. Je sais ce qu'il veut. Il veut qu'on s'occupe de lui. Donc, monsieur fait quoi? Tu fais l'intéressant. Tu vas... T'as des choses à dire, à raconter un peu? C'est un pied qui se prépare à faire quoi, ça? Allez. Tam. Ah, c'est un lait, ça. Typiquement, le format voyage. Là, j'ai encore le parfum, c'est compliqué, hein. Par contre, j'ai beaucoup aimé le petit trésor de Lancôme. Je le trouve très doux. Voilà. 15 ans, quand même. Ouais. C'est un temps à la déchetterie. Hein. T'as vu ça? C'est toujours un temps à la déchetterie. On est rentré de la déchetterie et... je vous ai dit, Eric commençait à 15h et là, on a eu un coup de téléphone. Il avait cours à 14. Il a inversé, je crois, jeudi et vendredi. Donc, il est parti en 2-2. Donc, on a déposé plein de cartons. Et là, bah, je continue hein, parce qu'il y en a. Donc, je suis en train de faire le tri des cartons qu'il faut aplatir. Donc, c'est faut tous les déchirer. Et là-dedans, c'est tout ce qui est tout venant. C'est deux trucs différents donc, avec les plastiques et tout. Ça donne ça. J'aimerais bien y retourner tout à l'heure. Ça sera fait. J'avais complètement zappé. J'avais un rendez-vous de vie à 16h. Il est 16h18. Je vous en prie, vous êtes là, donc ça va. Oui, je suis là, mais j'avais complètement zappé. Entrée, c'est à gauche. Bon, il est reparti. Il m'a dit, il y a déjà 3 mois minimum de délai pour faire les travaux. J'attends le devis, ce sont tous les devis vont arriver en janvier. Hein. Et puis après, on voit, mais dans tous les cas, comme je vous ai dit, priorité à ça, quoi. Enfin, à cacher ça. Et il est encore là, il est en train de regarder le mécanisme pour le voler. Eric est rentré, on va se faire un petit goûter. Et j'ai déjà testé hier. Excellente, j'adore. Alors vraiment, c'est des saveurs de Noël, vraiment. Hop, je vais faire un petit muffin au chocolat. Il est 9h, je vais à mon rendez-vous, quoi faire. Par contre, 3h du matin, je me suis réveillée avec une migraine. Et elle n'est pas vraiment partie, quoi. Il est vraiment grand temps d'y aller là. Je vais peut-être avoir droit à un massage. Ça c'est réconfortant. Il est 9h01, ça va. Hein. On explique. La migraine est de pire en pire. Vous n'avez pas vu mon look. Les toilettes du supermarché ne sont plus mon endroit. Je me tape tout. Et je vous montre en 2-2 mon look. Un moment de honte est vite passé. Ah là là. Ils sont où ces toilettes? C'est pas possible. Tout le monde. C'est la honte. Mais en fait, j'avais fait pipi. Et surtout, je crois que j'ai vomir. On m'a dit, ils sont juste à côté. Derrière, là, derrière la pièce. Non, 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 c'est gênant. Très, très gênant. Ouais, la migraine est horrible. Horrible. En plus, j'ai plein de tables cet après-midi, ça me saoule. Oh, faut que je passe devant toutes les caisses. C'est pas possible. Bonjour tout le monde. Franchement, c'est pénible, pénible, pénible. J'espère juste que pour Noël et le 31, je vais pas m'en retaper une. Allez, c'est reparti, c'est pas possible. C'est pas comme s'il y avait plaît de monde en plus. Ne vous moquez pas, s'il vous plaît. C'est franchement super. Ah ouais? Bonjour. Oh putain, en plus je connais plein de monde. La gênance absolue. Bonjour, Père Noël. Ah oui, si vous vous demandez pourquoi je fais les toilettes, je vais ici. Parce que les toilettes sont bouchées. Voilà, je suis sortie. On a fait les petites mèches racines. J'ai toujours la migraine de fou. On a fait le fameux nouveau protocole de chez L'Oréal qui vient soi-disant réparer 2 ans de cheveux cassés. Donc évidemment, pas les fourches, mais voilà, j'ai fait ça. Et on a juste coupé ça. Enfin, pour les fourches, pour que ce soit un petit peu plus net. Et je couperai peut-être plus d'ici quelques temps. C'est un coup le coiffeur. J'ai pris en plus, j'avais plus du tout de shampoing. J'ai pris le shampoing, le soin Kérastase plus tout ça, 189 euros. Ça faisait 3-4 mois que j'étais pas allée. Je comprends. J'ai qu'une hâte en fait, très clairement, c'est de rentrer, de prendre un médicament. J'ai pas faim et je crois que je vais être obligée au moins de m'allonger 3/4 d'heure, 1 heure. Pour que la crise passe et puis je ferai le montage de ce vlog après.
Voilà. Et je voulais également vous dire quelque chose. Attends, on n'a pas ouvert le calendrier de l'Avent, donc soit ça sera dans le prochain vlog, parce que justement, pour parler de ce du prochain vlog, ça sera donc, je vous l'avais dit, hein, pas le 26, ça sera, si, ce sera soit le 26 ou le 27. Et il est possible que je vlogue un peu Noël, tout ça, voilà. Bah, je vais vlogger, en fait, tout simplement. Je vous fais un gros gros bisou, et puis on se retrouve d'ici quelques jours. De toute façon, suivez-moi aussi sur Insta, parce que je vous tiendrai informé des parutions, de plein de petites choses. Le résultat m'a l'air quand même très très joli, hein. C'est pas mal. Et elle m'a refait aussi un peu ma frange, elle l'a repris, parce que c'est moi qui la coupe, et voilà, c'est pas toujours très très droit. Attends, si ça vous intéresse, donc j'ai pris... ce shampoing, c'est la gamme Thérapiste, hein, pour cheveux cassés. J'ai pris ça. J'ai pris le masque. Hein. Moi, je sais que Kérastase, ça fait des merveilles, en tout cas sur l'aspect de mes cheveux. Et elle m'a donné l'échantillon du protocole, du fameux nouveau protocole, si jamais ça vous intéresse. C'est Absolu Repair Moléculaire. C'est comme ça, voilà. Si jamais ça vous intéresse, il y a deux petits échantillons. C'est un soin qu'il faut pas rincer, voilà. Bah écoutez, je vous laisse là. Et puis, par contre, dans le prochain vlog, je vous montrerai calendrier de l'Avent. Ah oui, tiens, en revenant sur ça juste, vous savez l'échantillon de parfum. Et ben, je me demande si c'est pas ça aussi qui a déclenché, parce que dès l'instant où j'ai fait le pchit là du truc de sac, toute la journée l'odeur est restée. J'ai fait deux pchits. Et ça m'a incommodé. J'espère que le 24, c'est pas le parfum en full size, parce que non, ça le ferait pas du tout. Voilà, donc j'ouvrirai dans le prochain vlog toutes les petites cases restantes. Bisous. Et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.